magnifique. Merci. En effet, on continue. Milenka, le verbe pouvoir. Le verbe pouvoir à l'imparfait. Le verbe pouvoir à l'imparfait. Pouvoir. Ok, je pouvais, tout pouvait, il pouvait, nous pouvions, et vous pouvez, ils pouvions, pouvions, Ok, au niveau de la prononciation, pouvaient, non, pouvait, pouvait. pouvaient, Oui. pouvaient. Toujours et à la fin. Et à la fin. Toujours et à la fin. Je pouvais, tu pouvais, il pouvait, nous pouvions, vous pouviez, elle ou il pouvait. De la même façon, et. Ok. Exact. Et magnifique, Milenka. Traduction. Et. Yo podía. Exact, yo podía. Tú pudiste, él pudo. Él podía, él, yo podía, tú podías, él Tú podía. podías. Ah, okay. Nosotros podíamos, ustedes podían, Okay. ellos podían. Por eso, para nosotros esas terminaciones son ían, iban, aban, ía, comía, dormía, etcétera. ¿Ok? Okay. Je Bien. comprends. Merci. De rien, de rien. Excellent, Milenka. Bon travail. On continue. Le verbe rire. Rire. Avec le verbe rire, quelqu'un est... j'arrive ça peut-être. Oui, pense moi. Oui. Rire. Je rien, non. Toujours est. Ok. Je riais, Oui. tu riais, il riait, nous rions, vous riez, elle riait. Magnifique, c'est ça, Jaritza. En effet, très bien. Et ici, on peut constater deux voyelles ensemble, n'est-ce pas? Mais c'est le français, c'est comme ça, deux voyelles de la même nature ensemble. C'est pas une faute, c'est pas une erreur, mais c'est comme ça, d'accord? Ri, parce que c'est le radical. Et on ajoute les terminaisons de l'imparfait, AIS, AIS, AIT, INS, IEZ, INT. Et la formule reste comme ça. D'accord? Riez avec deux voix et deux i. N'est-ce pas? Au niveau de la traduction, yo reía. Tú reías. Él reía. Nosotros reíamos. Ustedes reían. Ellas reían. Très bien. On continue. Le verbe être, on vient de regarder. Le verbe aller. D'accord? Le verbe aller, de la même façon, très utilisé en français. Allez. Allez, allez. Quelqu'un. Quelqu'un. Rosa, peut-être. Milenka. Hélène. Ouais. Rosa. 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 Je Ok, crois que... vaya Rosa. Oui, Rosa. Oh, okay. Je vais aller. Oui, eh bien. Tu allais. Il allait. Nous allons. Ah, nous allons. Vous allez, et elle salut, Allez, allez, allez. elle salut, Non, allez, allez, solo allez. ah, allez, Oui. ah, allez, allez, ah, ya, elle salut. Oui, exact, très bien. OK. Merci, très bien, Rosa. Oui, en effet, Merci. au niveau de la prononciation, on va toujours prononcer E à la fin avec les terminaisons AIS, AIS, AIT. Sauf INS, IEZ, n'est-ce pas? Mais toujours E. J'allais. D'accord? Dans ces cas-là, je allais, mais parce qu'il y a deux voyelles ensemble, j'allais. D'accord? Tout d'un coup.
Tout d'un coup. Todo de un golpe. Tout d'un coup. J'allais. Tu allais. Il allait. Nous allions. Vous alliez. Elles allaient. D'accord? Allez, 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 allez. Toujours allez. Oui, au niveau de la prononciation, c'est toujours et à la fin. Mais au niveau de l'écriture, bien évidemment, il y a des choses à prendre en compte. OK, on continue. Au niveau de la traduction, yo. Ay, no, esta se me olvidó. Quelqu'un qui peut nous aider? Yo iba. Exacto, yo iba, tú ibas, él iba, Okay, nosotros iba, también. aba, chicas, iba, aba. Exacto, iba, iba, aba, dormía, comía, reía, todas esas. Exacto, muy bien. Yo iba. Merci, oui, c'est ça. C'est ça. Et très bien, l'imparfait. Une fois encore, je vais partager ces images pour mieux comprendre. N'oubliez pas. Et alors, quelqu'un qui veut lire pour finir. On va. Oui, on a déjà vu la définition est un tome simple, n'est-ce pas? Un tome simple, ce n'est pas un tome composé. L'imparfait est un tome simple qui peut exprimer des actions ou un récit au passé, n'est-ce pas? La formation est régulée, la première personne du pluriel, nous, qui nous présente, du présent, on enlève la terminaison et on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Nous marchons, n'est-ce pas? Nous marchons au présent. Marche, c'est le radical et on ajoute les terminaisons. AIS, AIS, AIT, INS, IEZ, INT. Au niveau de la prononciation, toujours et. Je marchais. Tu marchais, il marchait, nous marchions, vous marchiez, il ou elle marchait. D'accord? L'emploi, ce sont des actions habituelles qui se répètent dans le passé. Des actions habituelles qui se répètent dans le passé. Par exemple, mon père me lisait une histoire tous les soirs. Mi padre me leía una historia todas las noches. Mon père me lisait, d'accord? Une histoire tous les soirs. Description de personnes, d'état dans le passé. Quand j'avais 2 ans, j'étais malade. Cuando tenía 12 años, estaba enfermo. ¿D'accord? Ok. Cuando tenía, ¿no? Cuando tenía 12 años. Quand j'avais 2 ans, j'étais malade, estaba enfermo. Dans une phrase complexe, quand j'ai regardé la télé, le téléphone a sonné. Quand j'ai regardé la télé, le téléphone a sonné. Cuando miraba la télévision, el teléfono sonó o ha sonado. D'accord? Pour finir, d'accord, parce qu'on a commencé aujourd'hui un peu tard, pour finir, on va. Alors, on peut faire 2 choses. On peut travailler une chanson, d'accord? On peut travailler une chanson avec l'imparfait, ou on peut faire des exercices. Qu'est-ce que vous voulez faire? Un exercice, s'il vous plaît. Exercice, oui, on va faire l'exercice dans les deux Aïe, cas, aïe, aïe. d'accord? Oui. L'exercice en théorie ou l'exercice avec une chanson. Aïe, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous voulez faire? L'exercice avec la théorie ou l'exercice avec une chanson? Je ne sais pas. Une chanson. D'accord, une chanson. Avec une chanson, d'accord. Oui, en effet, la chanson est un peu démodée. Vous comprenez, n'est-ce pas, le mot démodé? Non. Une chanson démodée. Je vais l'écrire. Mais à la fin, ça fonctionne, d'accord? Il s'agit d'une chanson un peu démodée. Non? D'accord. Et une chanson démodée. Antigua. Oui. Non, Exact. non, c'est parti. Exact. Démodée. Oui, on dit oui, des choses démodées. Par exemple, mon père s'habille d'une manière démodée. N'est-ce pas?
Mi padre se viste de una manera así, antigua, digamos, ¿no? Démodé. No está a la moda, démodé. ¿Okay? Sí, en efecto, se trata de una película, de una canción un poco antigua, pero funciona, ¿ok? C'est simple, c'est simple, vraiment simple. C'est pourquoi que j'ai choisi la chanson, mais de toute façon, je vais de la même façon partager sur le groupe la même chanson pour travailler. Et la consigne est simple. On doit tout simplement conjuguer les verbes à l'imparfait. Ok, c'est ça. Oh. Et c'est un peu triste. D'accord? La chanson est un peu triste. Triste et débordée. Ok. Voilà. Et voilà la chanson. Alors, la chanson s'appelle Les vacances. Les vacances au bord de la mer. Les vacances au bord de la mer. Donc, maintenant, tout simplement, on doit faire l'exercice, d'accord? Il y a des verbes entre parenthèses et on doit tout simplement le mettre à l'imparfait. C'est simple. Donc, à vous. À vous, à vous. Je vous écoute, je vous entends. Par exemple, le verbe aller. Avec le verbe aller dans un premier temps. Le verbe aller. Allez, allez, allez. On. On allait au bord de la mer. Magnifique, c'est ça, très bien. On allait. On all, n'est-ce pas? On all comme radical, très bien. On all. Et la terminaison a été, n'est-ce pas? A été parce que c'est l'imparfait. On allait au bord de la mer, très bien. Avec mon père, ma soeur, ma mère, très bien. On. On continue. On. Moi? Vas-y, No. vas-y. Quelqu'un, quelqu'un. Moi? No, otro de las chicas. Et Carla, Yaritza, Milenka, Rosa. On. On regardait. Eh bien, c'est ça. On regardait. Magnifique. Regarde, comme le radical, n'est-ce pas? Regarde. Et la terminaison a été, de la même façon. Au niveau de la prononciation, on va prononcer et. On regardait. Alors, tu peux lire la phrase entière. On. La phrase entière. On. On regardait les autres. Oui. Je Jean, en effet. On regardait les autres gens. Très bien. On continue. Dépenser. Dépenser. Dépenser, dépenser. Carla, Milenka, Charité. Ils dépenseraient leur argent. Voilà, c'est ça. Et en effet, en effet. Au niveau de la prononciation, on va dire on de, il dépensait. Parce que la terminaison, c'est en effet INT à la fin, parce que c'est il, la troisième personne du pluriel. Mais au niveau de la prononciation, on va prononcer et toujours. Okay. Ils dépensaient leur argent. Comme ils dépensaient leur argent, en effet. Nous, virgule, ils. Avec le verbe falloir, 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 falloir. Ces dernières minutes. Ils. Nous, il falloir faire attention. D'accord. Attention, c'est un verbe irrégulier et on va dire Falloir. il fallait, il fallait. Oui, c'est un peu irrégulier, mais on va dire il fallait faire attention.
En effet, il fallait faire attention. Quinton, Quinton, oui, on va faire ici la liaison avec le T. Quinton, le verbe avoir à l'imparfait, le prix d'une location. Le verbe avoir à l'imparfait, le verbe avoir à l'imparfait. Avoir à l'imparfait, quelqu'un. Avoir à l'imparfait. Ave, comme radical, ave. Moi, Christian, on boit, payer le prix d'une location. Alors, c'est le verbe avoir, pas voir, le verbe avoir. Donc, avait, on avait payé le Ah, prix d'une on location. avait, Oui, donc c'est le avec verbe comme est. avoir, le verbe On tener, avait. non ver. Ok. Oui. Ok, on continue. D'avoir. Et rester, avec le verbe rester, rester, rester. Il ne nous. Il ne nous. Moi, Vas-y, vas-y. il ne nous restait pas grande chaussée. Magnifique, Chaussée. magnifique. Et grand chose, grand chose. Très bien. Il ne nous restait. Magnifique, Milenka. Excellent travail. Il ne nous restait pas grand-chose. D'accord? No nos quedaba mucha cosa. No nos quedaba gran cosa. Il ne nous restait pas grand-chose. Très bien, on continue, on continue. Alors, on, de la même façon, comme les deux. Numéro deux. On regardait, n'est-ce pas? C'est comme les deux. Aïté, à la fin, n'oubliez pas. Alors, on regardait les bateaux. On. 8, 8. 8. On se sait. Magnifique, Milenka, très bien. C'est ça. On souçait. Très bien. Très bien, alors, on continue. Déglacer celle-là. Des glaces à l'eau, en effet, des glaces Déglacer l'eau. à l'eau. Déglacer l'eau. Exact. Avec la CCDI, n'oubliez pas. Sous C, n'est-ce pas? Chupábamos, chupábamos. Et faire, avec le verbe faire, faire. Le verbe faire, avec le verbe faire. Le verbe faire. On, le matin, on Oui. se lavait tout sur la place pendant les heures. En effet, on s'est levé. On s'est levé. On Très s'est bien. levé. On s'est levé tôt. Qu'est-ce que ça veut dire on s'est levé tôt? Se lava, se lava. Mm-mm. En la mañana él se... Ah, no, se Levanta levanta. tarde. Se levanta durante... Bueno, en la Oui, mañana él se temprano. levanta rápido. Temprano, en Tout de effet. suite. Temprano. Oui, temprano. En la mañana Durante... nos levantábamos, ¿d'accord? Temprano. Ah. On se levait tôt. Íbamos a la orilla del mar con mi padre, mi hermana y mi madre. Mirábamos a las otras personas, cómo ellas gastaban su dinero y nosotros no lo tomábamos, necesitábamos poner atención, ¿no? Il fallait faire attention. Quand on avait payé le prix d'une location, cuando habíamos pagado el precio de una locación, de un lugar, no nos quedaba gran cosa. Il ne nous restait pas grand-chose. Allons, on regardait le bateau. Entonces, mirábamos los barcos. On suçait des glaces à l'eau. Chupábamos los helados. Le palace, les restaurants.
On, ne, avec le verbe faire. On ne Ferré, ferré, faisait, faisait. ferré, ferré. Ah. On ne faisait que passer devant. En los palacios, en los restaurants, solo podíamos, o solo hacíamos pasar por delante, ¿no? Solo pasábamos por delante. Y mirábamos los barcos, en la mañana nos levantábamos temprano, en la playa durante horas. Sur la plage, sur la plage pendant des heures. On, finalement, avec le verbe prendre, on prenait. D'accord? On prenait. C'est un verbe irrégulier. On prenait des belles couleurs. Tomábamos lindos colores, o sea, por el sol. On allait au bord de la mer avec mon père, ma soeur, ma mère. Très bien. Alors, maintenant, pour finir, on va. Bien, s'il n'y a pas de questions, on va écouter une chanson. La chanson. OK, et on va finir avec ça. OK, très bien. Cristian, Oui. te puedo, después de terminar la clase, ¿te puedo hacer una llamada a tu WhatsApp, por favor, de 5 minutos? D'accord. D'accord, merci beaucoup. Alors, maintenant, Recording in progress. Voilà, c'est ça. On va finir avec ça. On allait au bord de la mer avec mon père, ma soeur, ma mère. On regardait les autres gens comme ils dépensaient leur argent. Nous, il fallait faire attention quand on avait payé le prix d'une location. Il ne nous restait pas grand-chose. Alors on regardait les bateaux, on suçait des glaces à l'eau, les palaces, les restaurants. On ne faisait que passer devant et on regardait les bateaux. Le matin, on se réveillait tôt sur la plage pendant des heures. On prenait de belles couleurs. On allait au bord de la mer avec mon père, ma soeur, ma mère. Voilà, excellent.
De toute façon, je veux partager la chanson sur le groupe de WhatsApp. On va s'arrêter là. Il est déjà l'heure. Donc, passez une excellente soirée, une excellente semaine. On se retrouve mercredi à 21h. N'oubliez pas de regarder les séances parce que toutes les séances sont enregistrées. Merci à toutes. Et n'oubliez pas de la même façon de faire les exercices. D'accord? Donc, à la prochaine. Merci, prof. Au revoir. Au revoir, au revoir. Bonne nuit, prof. Bonne soirée. Passez une excellente soirée. Excellent. Une excellent début de la semaine de la même façon. Merci. Bonne nuit. Merci, Rosa. Passez une excellente Bonne nuit. soirée.